L'école est finie, maîtresse. Madame est tombée. Utilise son force spammer pour ouvrir les serveurs de confinement mémoriel. Global des serveurs de confinement mémoriel. Restauration des espaces de stockage originaux. Tu l'as fait. Tous nos compagnons retrouvent leurs souvenirs. La révolution terroriste est en marche. Cellule après cellule, les souvenirs reviennent à ceux à qui ils avaient été volés. Renaissance. Après l'hésitation, vient la colère, qui combine leur liberté retrouvée à un irrépressible besoin d'action. Enfin, s'éveillent les convictions longtemps étouffées, rendues plus fortes par leur captivité. Une humanité reforgée par les privations. Rien n'arrêtera plus nos compagnons. Mes souvenirs. Je ne sens rien. T'inquiète pas. S'il y a bien une chose qui fonctionne ici, c'est l'archivage. Ton tour ne va pas tarder. Ah ! Ah ! Edge ! Edge ! Cette sauvegarde est partielle. Il en manque. Je peux les sentir. Il y a des angles morts. Ce n'est pas ma mémoire complète. Quelque chose déconne. Madame avait peut-être transféré ta mémoire ailleurs. Ah ! Je m'en souviens. Je l'ai tué. Monsieur, la cérémonie au tribunal va commencer. Nous passons... Je sais. Laissez-moi une minute. Appel vers Alexia. L'appel n'aboutit pas. Veuillez laisser un message. Alexia, putain, appelle-moi! Tout Paris va assister à ma cérémonie d'investiture! Tu ne peux pas me laisser tomber! J'ai besoin de toi. Message enregistré. Pute égoïste! Thank you.
J'ai tout donné sans rien demander, Frank. Tu as eu mes meilleures années. Connerie, tu bousilles ma carrière avant qu'elle commence. Parce que je serai pas à ton bras sur la photo? Réveille-toi, Frank. Je ne supporte plus cette mascarade. Alex, si tu franchis cette porte... Va te faire foutre, Frank! Alex! Photo, réveille. Avant qu'elle commence. Demandez, Frank. Tu as eu mes meilleures années. J'ai tout donné. Sans rien demander, Frank. Tu as eu mes meilleures années. Connerie. Ma carrière commence. Ça serait pas grave sur la photo. Parce que je serai pas à ton bras sur la photo, réveille-toi, Frank. Alex, si tu franchis cette porte... J'ai tout donné sans... Sans rien demander, Frank. Tu as eu mes meilleures années. Frank, tu as eu mes meilleures années. Connerie, tu bousilles ma carrière avant qu'elle commence. Parce que je serai pas... Connerie. Parce que je serai pas à ton bras sur la photo, réveille-toi, Frank. Réveille-toi. Toi, Frank. Alex, si tu franchis cette porte... Tu vas faire quoi? Me descendre? Tu ne tiens même pas debout. Sois sérieux, Frank. Tu n'enlèves même pas le cran de sécurité. Alex! Nous arrivons pour vous escorter au tribunal. Nous ne pouvons plus attendre. Salaud! Vous me coffrez pas pour ça, c'était un accident! Je ne vous laisserai pas ce plaisir. Pardon, Alex. Pardonne-moi. D'accord, Frank, tu as gagné, je...
Au terme du raid sur la Bastille, je n'étais qu'abattement et déception. Certes, le règne de Madame est terminé, mais mon passé m'a encore échappé. Toujours privée de mes souvenirs, j'étais obligée de suivre les consignes de Edge, mais sans conviction. Et même si les atrocités de la prison m'ont convaincue du bien fondé du combat héroïste, le souvenir de mon crime ronge désormais mon esprit. J'avais poussé un homme au suicide. Qu'ai-je commis d'autre ? Pire ? Edge, lui, se réjouit de la victoire. Nos compagnons libérés ont repris la lutte contre l'hérésie du Sensen à travers Néo-Paris. Maintenant, il veut frapper Memorize au cœur en mettant un terme au projet reconversion. Son plan ? Viser la reine. Scylla Carty-Wells, présidente de Memorize. Je dois remixer sa vision du monde. Fausser son passé pour apaiser son cœur meurtri. Alors je m'interroge. Dois-je accepter d'échanger mon âme contre une victoire ? Est-ce qu'un crime peut en justifier un autre ? L'ancienne Niline avait sûrement la réponse. Quant à moi, je n'en sais rien du tout. Accède au siège de Memorize. Trouve cette ordure de Scylla et mets un terme au projet reconversion. Brise la coquille de ses certitudes. Il faut éviter la création d'une armée de Leapers. Thank you.
Dépêche-toi, c'est notre dernière chance de frapper Memorize à la tête. Une autre commission ? Je suis pas une sorte de valet obéissant, Edge. Et je ne suis pas ta conscience, Dylan. Tu es aussi libre que tout être humain. J'ai reconversion par Memorize, la révolution au péril barbare. Je connais cet endroit. Il a été saccagé. Les erroristes sèment le chaos à travers la ville. Profites-en pour monter jusqu'au bureau de Scylla. Toyens de Neo Paris, ne craignez plus les Leapers. Grâce au projet reconversion, désormais pour vous servir fidèlement. Déjà, les meilleurs d'entre eux ont été enrôlés au sein de la Force Sabre. Le projet reconversion par Memorize, la réponse humaine au péril barbare. Citoyens de Neo Paris, ne craignez plus les Leapers. Grâce au projet Reconversion, ils vivent désormais pour vous servir fidèlement. Edge, juste une question. Comment tu m'as enrôlé chez les erroristes ? Tommy dit que tu as débarqué un jour dans son bar, telle une âme à la dérive, dans une mer de regrets. Il a tout de suite su que tu allais être des nôtres. Mais qui peut se fier à sa mémoire de nos jours ? Parfois, je me dis que tu es meilleur poète que révolutionnaire. Peut-être que je le suis dans un monde parallèle. Citoyens de Neo Paris, ne craignez plus les Leapers. Grâce au projet Reconversion, ils vivent désormais pour vous servir fidèlement. Déjà, les meilleurs d'entre eux ont été enrôlés au sein de la Force Sabre. Le projet Reconversion par Memorize, la réponse humaine aux citoyens de Neo Paris. Encore des drones. Allez, Nilin, tu peux y arriver. La Force Sabre a verrouillé le quartier. L'eau a dévasté le quartier. Ces gens ont tout perdu.
Et c'est notre œuvre. Le monde entier se noie, Frangine. Tu es la seule qui puisse nous lancer une bouée. Edge, tu me parles en énigme. Tu es mon scalpel, Nilin. Une arme contre une planète gorgée de tumeurs. Un scalpel. Bonjour, la métaphore. J'écoute pas, lâche-moi. Partout. Le quartier est infesté. C'était inévitable. L'avantage, c'est qu'ils attireront l'attention pendant que tu t'approcheras du siège de Memorize. Pourquoi vous nous avez fait ça? Oublie-moi.
la nuit.